Assalamu alaikum yebobe sen mon gatamar tv on salminam donc engarti do e emission men actu navette numéro émission numéro 4 donc hande consultant men du jour ko pate dem wala adama dem donc coach de lais yagar coach ma salmira yebobe gatamar tv assalamu alaikum a tous les téléspectateurs de gatamar tv bacha salminam salmin djuna fof e diwan Et voilà, coach, Eden Bare débriefé Handi la deuxième journée. Donc, Zondo Ndoum, elle joue la première journée. On avait comme consultant Pop Sam Fall. Maintenant, au niveau de la deuxième journée, on va remarquer que Aïssé Dupo, Aïssé Yakar, Aïssé Djamel, que quand même trois Aïssé Ringan d'Ako, quand même gagné leurs deux premiers matchs par rapport à leur performance au combat Ryan Hald. Bon, Yakar, Djamel, Dupo, je sais que ce n'est pas une surprise que, que trois Didon Bare un bon championnat. Parce que j'ai vu durant les matchs de poule, Djamel Yaltiko avec le carton plein, ils sont éliminés en demi-finale. Dupo, c'est un finaliste. Yakar, aussi, c'est une équipe régulière. Mangandao, fréquemment, on est carré d'assaut. Donc, ce n'est pas une surprise que Ndien Dine et Kwaji soient en tête après la deuxième journée. Donc ça veut dire que ce sont des choses qui sont déjà préparées. Quand on a équipé un bon travail dur par rapport à performance ma bon. Bon certainement parce que quand le résultat est direct, c'est que il y a travail chacun. Dupo aussi ça y Dupo une dynamique mode gile avant. Quand il y a comme une rupture gile ne rangé si comme il s'entraîne et terrain même dans l'année scolaire. Donc c'est une équipe quand on Elle sera difficile à manier. Donc, pour qui on va faire mal et aura saison, Inch'Allah. Deuxième question, par rapport à la performance de l'Aïssé Kaoural, on a regardé un très beau match par rapport entre l'Aïssé Dar es Salaam et l'Aïssé Kaoural Mundiwalo. En Yébi, le football Mangandra, en Bayre Doumi, il est l'Aïssé Kaoural, mais finalement, que 0 but partout. Par rapport à la performance Kaoural, Holkmar et Hald, et problème Dar es Salaam également durant ce match. Bon, performance Kaoural, mais je dirais que Kaoural va apprendre son premier match. Dans la vie, comme dans le football, on doit apprendre de ses échecs. Bon, premier match, je me suis dit contre Djamel, ils ont perdu. De façon, ils sont bien battus, mais par manque d'expérience, ils ont perdu le match par 1 but à 0. Mais on est heureux de constater que deuxième match, vraiment, ils ont corrigé les lacunes de Mdjougnedi. Il y avait plus de fluidité dans le jeu de Kaoural. Il y avait beaucoup de renversements de jeu. Mais on a aussi joué dans les espaces. Je dirais qu'on a un match de Kaoural vraiment. La fusion du match, je sais que bien que Kaoural perd, parce qu'on va dans le coup de 1 point au match. Exactement. Donc, c'est un groupe qui est un Massine, équipe de Wawid, équipe vétérane, mais selon Abdoulaye Abdoussalam Pam, donc, oui, quand même, il doit structurer comme Massine, c'est une équipe vétérane. Mais durant leurs deux premières sorties, ils sont soldés par des défaites. Est-ce que tu as Massine Odo, on a vraiment aventure et on a un peu Bon, Massine en tant que tel, comme Ablaye Wini, il doit nous structurer. Soit nous structurer, soit nous organiser. Pourquoi pas? Bon, mais pour l'instant, il y a une structure de structuration. Donc, ça veut dire qu'on manque? Bien évidemment, parce que ça a eu leur sortie avec les joueurs qu'ils ont. Machallah, Massine, 10 jours à aider. Ils ont des joueurs même qui peuvent faire mal. Mais malheureusement, est-ce que cohésion en donne, est-ce que l'organisation en donne, est-ce que encadrement on a rendu le staff technique de l'équipe, est-ce voilà. Que on est chagal quoi, donc on est chagal quoi, on a besoin d'aller pour être prêt à soutenir Massine quoi. Exactement, donc c'est nous qui nous donnons, garen AIC Mouganda presse, on dit que c'est l'équipe la plus titrée d'Anjoum. On est l'AIC Nyang, on dit bien bari premier match mabé face à Miri Nyang, match nul 0 partout voilà 1 but partout. Mais après cela, voilà, on constate qu'il y avait une démission de leur coach. Donc Abdou Amo a démissionné. Donc problème, on vit avec. Le problème de mort de Yaltinande, il y a un problème. Est-ce que Nyanga Hande, par rapport à comme Ndengo, en tant que champion départemental, est-ce que Nyanga Fouri a des difficultés? Bon, Nyanga Hande, c'est une grande équipe, une équipe historique pour Wurongo. Bon, premier match, on a un match nul. C'est une victoire aussi à Supra Haïgor parce que c'est le champion départemental. Donc le problème qu'il y a eu, peut-être le coach démissionné, bon, les ragots sur mort, rien dit un joueur, Haïgor, il y a du terrain. Haïgor aussi, il a duré le banc, t'as démarré. Mais un joueur frustré, un joueur c'est frustré, le public ne comprend pas. Les dirigeants ne peuvent pas comprendre, mais l'entraîneur, il comprend. Parce qu'un compétiteur, qu'on voit,
Au compétiteur, tu veux tout le temps jouer, tu veux tout le temps gagner. Donc, c'est compréhensible. Maintenant, nos coachs, pendant que tout début, là, la liberté de travailler. Un changement, le coach va décider à quel moment et qui doit sortir. Décision, il me faut pour Réodéhen, pour me soutenir. D'autant plus que Abdou, quand on a dit les phases départementales dans le Wurongo, c'est un coach que j'estime beaucoup. Il fait un travail remarquable. Il me faut pour Walden et en dynamique. Exactement. Donc, il va avoir le tour de toutes les équipes. Mais pour l'avant-dernière question, AIC Dental, AIC Jaguar sont des grandes équipes de la saison Navetandjoum. Mais ils ont dans des difficultés. Jaguar, dernière défaite. Dental, dernière défaite. Mais il y a beaucoup de problèmes Jaguar et Dental. Bon, pour Dental, le fait que c'est un mauvais démarrage, c'est une surprise pour moi. Parce que je m'attendais à une bonne équipe Dental. J'ai vu Dental et qu'ils ont fait monter quelques cadets. Ça a dû constater ces dernières années de Dental d'une de très bons cadets. Maintenant, je m'attendais à ce que les cadets sont garés. Tu as vu les farbes. Et les autres, les mêmes modèles. Je m'attendais à ce que Dental ait une bonne saison. Mais malheureusement, échec contre Oula de Bureau, il faut voir de servir de leçon. Comme leçon, ils vont se relancer championnat. Mais ça n'a pas comme échec grec. Ça n'a pas tu risques de bousiller tout ton championnat. Exactement. Jaguar aussi, il y a eu beaucoup de départs. Est-ce que tu peux avoir un impact et résultat du match? Bon, Jaguar, c'est normal. Jaguar, il y a eu une vague de départ, il y a eu des problèmes. Problèmes internes au niveau des quartiers. Jaguar, personnellement, bon, je ne m'attendais pas à ce que Jaguar ait un peu de choses. Même le jeu qu'il produit ici, mais le premier match, je suis un jeu normal, respectable quand même. Bon, il y a un point. Bon, après, il porte une équipe de Jamel Kam. Johnny, c'est une grosse équipe. Donc, victoire logique de Jamel. Voilà, dernière question. Gris protection. Il y a des supporters de Ganda qui ont été en train de se faire. Donc, il y a des tribunaux qui ont été en train de se faire. Comme dit Dani Johnny. Déjà, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Maintenant, il y a des gens qui ont été en train de protection. Effectivement, Sam. La Gris, on est unanime sur la question. Que Gris n'est pas adapté. Parce que déjà, ça a déjà une tribune. Ça on est grillé déjà à suivre match. Autant suivre match. Mais une musique un supporter à Yep Ekimum, passe bien à Ronk Wondehen. Mais aussi grand avec la zone et la mairie, il faut rendre du monde aussi. Parce qu'il y a des solutions pour que les grilles là-bas aient changé. Voilà, merci coach. Dernier congolement et saison et Gatamar TV et tout. Bon, Gatamar TV, coup de tome, je vous remercie de votre élan. Parce que quand vous voyez votre dernière émission, vraiment, c'est une chose extraordinaire avec des images de qualité qui a félicité. Avec la, on va sortir tout le décor du stade avec le drone. Donc, c'est une technologie nouvelle de Wurongo. Je vous encourage vraiment à connaître aller l'avant. Et Wurongo aussi, il faut que vous allouez la chaîne là pour vous de développer. Merci, bon, coach. Sur la saison, il y a joué la saison là avec Fair Play. Aïdou, il n'y a rien à gagner. Comment on a les relations humaines, le trophée là, il ne rapporte absolument rien. Donc, il me joue dans le fair play. Celui qui gagne, il félicite son adversaire. Celui qui perd, celui qui gagne, dis-moi, il encourage son adversaire. Celui qui perd, il le félicite. On serre la main, on va travailler. Merci, coach. Okay, merci beaucoup. Voilà, je rappelle que nous avons une émission numéro 4, Actu Navette. On recevait notre consultant du jour, c'était. Monsieur Patedem, Ganda également, c'est l'entraîneur de l'AIC Yakar. Donc, Arti, d'une manière très vaste par rapport aux questions que Ganda a embodiées posées. Donc, vraiment, merci. On y a un quartier de l'émission numéro 4. Tchagal, le quotidien consultant, Johnny, Wani Patedem, Bourd André de Adam Rem plutôt, Bourd André de Patedem, également coach de l'AIC Yakar. Donc, il y a un quartier par rapport aux résultats de Ngandouda Wadi Takudo et championnat zonal Mondjoum. Donc, les cadets pour A. L'AIC Sintian, l'AIC Dupo, c'est un match reporté, match Mugandra Heban Wad. L'AIC Baz a battu l'AIC Ainoumadi 1 but à 0. L'AIC Ouladbir également a battu l'AIC Dental 1 but à 0. Dans la poule B, Renjogi, l'AIC Dar Salaam qui a été largué par l'AIC de Kaural 5 buts à 1. Alwar, Medine Sintian, pas de cadet. Ren Badrapple également, Alwar Danyano.
Adoudi que wad présenter la catégorie cadette Jamel Jagere. Donc c'est un match qui est soldé par 2-1 en faveur de l'ASC Jamel. Donc ça c'est pour la catégorie cadette au niveau de la poule B. Au niveau de la poule C, on a Yakar dans le Nyol qui se sont neutralisés 1-1 l'ASC Massina et l'ASC Medina Nyang. Donc on rappelle que Massina également aura présenté des cadets donc pour cette saison. On rappelle que vous suivez votre émission Actu Navette dans votre chaîne YouTube Ngatamare TV. Dans la poule A, pour la catégorie senior, l'ASC Sindian, l'ASC Dupo, c'est un match reporté. L'ASC Baz, l'ASC Ainoumadi se sont neutralisés 1-1. L'ASC Ouladouberi, l'ASC Dental également, Dental, qui a été battu par l'ASC Ouladouberi par 1-0. Dans la poule B, l'ASC Darussalam, le grand match, l'ASC Darussalam, l'ASC Kaural se sont neutralisés 0-1. L'ASC Alwar 1, l'ASC Medina Sintiane 0, l'ASC Jamel, l'ASC Jagere. C'est l'ASC Jamel, bien sûr, qui a battu l'ASC Jagere par 2-0. Ça, c'est au niveau de la poule B dans la catégorie senior. Au niveau de la poule C, l'ASC Yakar, l'ASC dans l'Egnol. Donc, c'est Yakar qui a battu dans l'Egnol 2-0. L'ASC Massina, l'ASC Medina, c'est bien sûr Medina Nyang qui a battu l'ASC Massina 1-0. Donc, nous avons les résultats de Ngandura et un Kebidum Adudo qui fait la deuxième journée de championnat journal Mundjum. Donc, nous avons dit que hier, le chef de Ngatma TV, nous avons abonné, nous avons liké également. Et nous avons partagé les différentes vidéos de Ngandura et nous avons dit que le chef de Ngatma TV.